comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on est au Thor, au rassemblement des vieux tracteurs en Provence. Allez, venez avec moi. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me. Là, les amis, franchement, il y a une super collection de tracteurs, comme ce Lance Bulldog qui appartient à Monsieur Gerfagnon. Alors, le Lance, il a été créé en 1951. C'est un allumage par boule chaude, 45 chevaux, 630 tours minute. Le Lance, c'est un 10 338 cm3 qui pèse 3800 kg. Donc là, on continue avec aussi un tracteur de Monsieur Gerfagnon. Alors, c'est un Porsche Diesel Master, de 1963, 4 cylindres, 4 temps de diesel, refroidissement à air, 3500 cm3 et 50 chevaux pour 2100 tours minutes. Il pèse 2100 kg. Donc là, voici un Dutz F1 M414 de 1950. Cette fois-ci, c'est un refroidissement à eau, monocylindre, 4 temps diesel, 1200 cm3, il fait 11 chevaux et 1500 tours minutes et il pèse 1180 kg. Donc là, il y a un CAZ 530, un de mes tracteurs préférés, hein, pour vous dire clairement. Et là-bas, il y a un vendeur qui est aussi un de mes tracteurs préférés, donc je vous propose de venir avec moi pour pouvoir aller le voir. Bonjour Laurent. Bonjour Dylan. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu ce tracteur, comment il a été conçu? Le tracteur a été conçu par mon papa à l'époque, en 1986 ou 87. Quoi. C'était un petit cadeau pour ma petite communion, ma première communion. Donc, c'est une base boîte à vitesse de 2 chevaux. L'arrière, tout ce qui était port arrière, c'est la boîte à vitesse de 2 chevaux. Après, le moteur, c'est un moteur de Bridgestone. Après, la colonne de direction, c'est pareil, c'est tout de récup. C'est que boîte J7. Après, les pneus, c'est des pneus qui étaient à l'époque de motoculteur. Les pneus avant aussi, c'est de la récup aussi, c'était des Vespa. Et après, tout ce qui est châssis, c'est de la tôle pliée qu'on a conçue, quoi. Voilà, et capot, après pareil, avec le relevage, pareil, avec une crique et des câbles et des poulies. Voilà, après, c'est une affaire qui roule, quoi.
second jour, nous voilà pour le concours de labour à l'ancienne. Salut Jérémy. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu es le plus jeune concurrent pour le concours de labour à l'ancienne. C'est ça. Alors, tu as quel âge? 18 ans. Et tu fais ça depuis combien de temps? C'est mon premier concours que je fais. D'accord. Alors, peux-tu nous présenter un peu le tracteur? C'est un Ford 2000 de 1956, je crois. Et c'est tout. Voilà. Alors comment s'est passé ton premier concours? Est-ce que tu es content? Franchement, pour une première, ouais, je suis content. Ça s'est bien passé, et on espère gagner. Bon, merci en tout cas, on espère, merci que, à tu toi. On espère que tu vas ramener une coupe. On y croit. Ouais. Bonjour Maurice. Voilà, bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter et expliquer comment fonctionne un concours de labour à l'ancienne? Voilà. Donc déjà, je me présente, je suis Bompard Maurice, président d'un club à Malocène, au pied du Mont Ventoux, en dessus Carpentras. Donc, le nom de mon association, c'est Ventoux Rétro Véhicules. Et on a fait notre manifestation le deuxième week-end de cette année, le deuxième week-end de mai, le 13 et 14 mai. Donc, au niveau du concours de labour, premièrement, le concours de labour que nous avons fait aujourd'hui au TOR, c'est une sélection pour le championnat de France du Club Lens. Ça veut dire que le Club Lens France, la sélection que nous avons fait aujourd'hui au TOR, se fait dans plusieurs régions de France, comme exactement le labour que nous avons fait aujourd'hui, et les premiers vont en finale. Dans la finale, c'est le premier, le gars qui s'est labouré le mieux, qui s'est bien appliqué. Donc la finale, cette année, se fait en Charente, chez le président du Club Lens, Théo Gastrin. En Charente, c'est... mais bon, j'ai le nom marqué, je vais le dire tout à l'heure, mais je n'ai plus le nom en tête. Voilà. Donc, le déroulement du concours de labour se fait sur les mêmes critères que les tracteurs modernes. Donc, ouverture, on fait l'ouverture. Alors, le principe de ce labour, c'est un labour en planche. Donc, les charrues non reversibles, dans les anciens, avec les charrues traînées. Charrues traînées en planche, ça veut dire qu'à l'époque, les tracteurs qui n'avaient pas de relevage travaillaient avec ces charrues-là. Ça veut dire qu'on a un engrenage au bout, on tire une corde au niveau de la roue et ça soulève la charrue et le chauffeur fait sa manœuvre. Voilà. Au niveau du matériel. Et après, au niveau du labour, comme je disais, c'est sur les critères du concours de labour moderne, les jeunes agriculteurs, ouverture, fermeture, et après, on va chercher le labour du voisin, et on tourne tant qu'on n'a pas fini le labour, et à la fin, ça refait une dérivure. Ça te fait le cœur, tu vois, voilà. Et là, c'est là que les choses se corsent un peu, il faut finir comme il faut. Donc, on est noté, hein. C'est le but du concours de labour.
Voilà. Après, au niveau de la bourse, c'est un concours. C'est une c'est pas un concours, on ne joue pas la maison. C'est un concours amical. C'est, en gros, c'est une démonstration de la bourse. Voilà. Et alors, nous, on a préparé le terrain. Là, alors, mon but à moi, c'est qu'on a bien préparé et que les gens s'amusent. C'est le principe du. Voilà, moi, ma politique, c'est que les gens, là aujourd'hui, sont contents. Il y a des gens qui n'avaient pas labouré, qui n'avaient jamais labouré. Je leur ai bien expliqué, je les ai aidés. Malgré ça, on a un peu œuvré là, le règlement parce que normalement, on n'a pas le droit, le vrai concours. Mais bon, comme je dis, je le répète, nous, on est là pour passer un bon moment. On est là pour s'amuser. Et en même temps, ça fait une expérience au niveau des jeunes et moins jeunes. C'est, je le dis, c'est pour passer un bon moment. Et là, ce matin, on a passé un très bon moment. Ça s'est super bien passé. Voilà, donc tout à l'heure, en milieu d'après-midi, on va procéder à la remise des prix. Donc, là, on a eu un classement. Il y a une personne de l'extérieur. Voilà, alors, le jury, c'est une personne qui nous vient du Nord, Jean-Pierre. Il vient de Lille. Voilà, parce qu'au niveau jury, il faut que ce soit hors village, hors une personne étrangère. D'accord. À la manifestation, pour ouvrir au bon fonctionnement de, mais disons, pas de privilèges, et pour arriver à faire quelque chose de concret. Voilà. D'accord. En gros, je t'ai expliqué le fonctionnement de notre de labo aujourd'hui, et alors tu vas participer à la remise des prix, et tu verras, celui-là qui a labouré le mieux va aller en finale. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour alors, toutes pour ces explications. Toi, merci pour ton interview et merci de t'intéresser à ce que nous avons fait aujourd'hui autour. C'est très important parce que c'est là que je le souligne parce que j'y prête attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes comme toi qui éventuellement s'est intéressé à notre labour et tout. Parce que tu sais, maintenant, les jeunes, pouf, les vieilles charrues et tout. Eh bien, bravo pour toi. Alors déjà, je te félicite. Merci. Et merci beaucoup. De rien. Voilà. You see, come my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. I know what I'm supposed to do. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Et si vous voulez suivre mon aventure, abonnez-vous. À très bientôt.